Bonjour, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et moi, j'ai un peu hésité à vous faire cette vidéo puisque je vais vous faire une vidéo sur le cœur. Et qu'en fait, je suis sur une chaîne en auto-soin, donc pour les petits bobos de tous les jours. Hein, donc pas pour les grosses pathologies. Ceci dit, quand il s'agit du stress, eh bien, le cœur s'emballe toujours un peu trop. Et je me suis dit que, ben, ma foi, c'était toujours intéressant de pouvoir lui donner un petit coup de pouce pour qu'il retrouve son équilibre quand on est un peu stressé ou après avoir eu de grosses peurs. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente, Odile Gabé, réflexologue certifiée par la Fédération française et également praticienne en EFT. Donc, je suis dans la région varoise et j'ai mis en place une chaîne YouTube pour vous aider à être un petit peu autonome sur votre vie de tous les jours, pour les petits bobos de tous les jours et même pour des petits gestes, des changements d'habitude qui pourront vous aider à vous sentir mieux. Voilà, bien évidemment, toutes ces techniques de soins naturels sont complémentaires à la médecine. Et pour tous vos traitements et pathologies, adressez-vous, prenez l'avis de votre médecin. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer où se situe la zone du cœur. Comme ça, en cas de stress, si vous sentez que votre palpitant vous ennuie un petit peu et met un peu de temps à redescendre, eh bien vous pourrez peut-être l'aider un peu. Donc toujours pareil, voilà, moi j'utilise du talc, hein, donc toujours pareil, il ne faut pas oublier d'ouvrir le flacon, un petit peu de talc sur les mains, voilà, on frotte ses mains, un peu de talc, attention parce que quand on le respire, ça fait tousser ou éternuer un moment. Donc la zone du cœur, eh bien, elle est plus importante sur votre main gauche. Hein, puisque n'oubliez pas que la réflexologie, ce sont des zones miroirs. Donc, il va se réfléchir plus sur votre main gauche. Donc, on va être sur les deux articulations ici, celle de l'index et du majeur. Et un petit peu moins sur celle-là. Donc, ça sera juste l'index. Donc toujours le même système, pour ceux qui ne connaissent pas, eh bien, allez voir ma première vidéo atelier sur le bon geste, parce que si vous avez le bon geste, ben, vous aurez des résultats plus intéressants. Donc reptation sur cette zone-là. Voilà. On va faire un petit quadrillage. Donc là, pardon, jusqu'ici. Hein, vous prenez bien les deux articulations. Voilà, un petit quadrillage dans un sens et un petit quadrillage dans l'autre. Tout simplement. C'est vrai que quand vous faites un peu la zone des poumons, c'est aussi une zone qu'on travaille, mais on va travailler plus dans les sillons. Là, vous voyez, on travaille partout. Hein? Donc, vous pouvez faire un simple quadrillage rapide si vous voulez, vous insistez un petit peu plus longtemps. Et sur cette partie-là, donc vous allez faire la même chose ici. Donc toujours en reptation. Voilà, vous vous arrêtez au niveau du premier sillon. Et après, dans l'autre sens. Alors vous mettez vos mains à plat sur vos genoux, c'est plus facile. Moi c'est juste pour vous montrer, là c'est pas très pratique. Et voilà, donc une petite vidéo courte pour vous montrer où est le cœur. En cas de stress, ça peut vous être utile. Je vous souhaite une bonne semaine, entraînez-vous et à la semaine prochaine. Je suis là pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite clochette, comme ça vous ne raterez pas de vidéos, ateliers et ce sera mieux pour vous. À la semaine prochaine.